Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons faire un challenge friperie avec Noam, où nous allons aller à coup de pouce s'acheter 2-3 habits pour relooker l'autre. Ouais. Avec un petit budget de 15-20 francs, on verra. Ouais, on verra ce qu'on trouve aussi, parce qu'on sait pas s'il y aura des choses chouettes à coup de pouce, mais pour que la personne sorte de ses habitudes. Voilà. Bon, bah vous me prenez autre chose que du noir. Normalement Alicia aussi. Pour toi, j'ai pris un rond bordeaux. C'est pas du noir. Du coup, on va voir si on trouve quelque chose. On va vous filmer un petit peu dedans, puis on vous montrera le. Après la suite. J'espère qu'il y aura un truc. Bon, si on va, c'est tout. Je pense que je vais vous donner des bonnes pépites. Let's go! Voilà, nous voici arrivés à coup de pouce. Ok, on y est. On a donc 15 minutes pour se trouver une tenue chacune avec pantalon, pull et un accessoire, une veste ou quelque chose, ça dépendra du budget. C'est parti. Let's go. Timer. 15 minutes à vivre. Ça va être short, hein. Voilà, c'est parti. C'est parti. Ok, donc objectif, il faut que ça les change et qu'elle n'ait pas l'habitude. Mais il faut qu'elle aime quand même. J'ai trouvé l'article parfait. Ça, c'est pas mal. Oh, elle est trop cool. Ok, donc pour l'instant, je sais pas si je vais garder, mais j'ai ça. J'aimerais bien trouver une chemise à mettre dessous. Je veux. Ça me frustre. En vrai, ça, c'est. Oh! Bon, update. J'hésite entre celle-là. On verra. Tu vas flotter la tête. C'est dur. Attends, j'ai pas regardé le temps, combien il nous reste. C'est ça, par-dessus ça, avec un pantalon noir. J'hésite à essayer un pantalon vert, mais je m'explique peut-être un peu too much. J'ai aucune idée si ça va lui aller. Et au niveau du budget, 5 francs, je suis à 10, je suis à 15, donc je peux pas prendre plus, à moins qu'on ait jusqu'à 20. Il me faut une ceinture. Une ceinture. Mais la peau, elle va flotter dedans. Niveau pantalon, c'est un peu compliqué, hein. Je trouve pas de ceinture. Bon, du coup, j'ai changé de pantalon. J'ai pris ça et ça. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien ce t-shirt. Je pense que son homme, ce sera parfait. Mais moi, il me faut une ceinture. Bon, mais une hésitation avec ça. Ça fait qu'on serait à 20 francs, mais il me semble que je me dois de rajouter un accessoire. Donc, on le prend. Allez. Je vais prendre un pull, je crois. Je suis indécise. Ok, donc moi, j'ai terminé. Combien de temps il restait ? 2 minutes 45 et moi je pense que j'ai fini, je vais faire un dernier tour, mais j'ai tout ce qu'il me faut je pense. Aucune idée de si ça va aller, si ça va lui aller, j'espère. Ah je suis trop stressée, c'était trop court, 15 minutes. Du coup j'hésite avec ça, c'est quand même chaud. J'ai l'impression que je suis en train de paniquer. Ouais. Il n'y a pas les chaquettes. Ça, je sais pas, j'hésite.
of music men hum or whistle when they feel on top of the world. C'est un bataille navale. Ok. T'attends Luc, Alicia ? Oui. Tu passes en premier ? Allez. Oui. Bon, on a dû changer le pantalon parce que il est trop petit. Du coup, vous verrez l'alternative à la sortie. Réville ! Ah, en vrai ! En vrai, la chemise, j'aime bien, mais ça, j'aime la taille. Après, ça change, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'avoue, le pantalon, c'est pas... Bah, le pantalon, à la base, était noir. Mais j'avoue que là, ça va un peu moins bien. Mais le haut, c'est pas trop mal, les deux trucs. C'est la chemise, je serais potentiellement capable de la remettre, mais pas le bleu. Au petit sac. Voilà. Attends. Yes. C'est trop bien, ça te va bien. C'est un peu beaucoup trop grand. Sinon voilà. Non, ça va. La version Alicia de Noël. Oui. Oh, le pantalon, ça va. Ça fait très bizarre d'avoir un pantalon comme ça, mais c'est marrant. Bon, on va changer. Allez. On se retrouve après notre chasse, notre petite chasse aux habits. Ok, donc on avait un budget, est-ce qu'on va voir si les choses sont respectées. Le budget c'était 15 à 20 francs. Et moi au final, ben sans pantalon, du coup budget respecté. Pour ma part, budget largement respecté aussi, il me semble. Ça me bouge. Il y a 10 francs, je crois. Ouais. 10, c'est plutôt 15, il me semble. Ouais, avec les 3 pièces. Alors, on n'a pas pris le pantalon parce que il était trop grand pour Alicia et trop grand pour moi. Et on va pas acheter des choses qu'on va pas mettre parce que ça sert à rien, c'est du gâchis. Et du coup, on fera une autre vidéo aussi dans une autre friperie si ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Oui. Franchement, honnêtement, le t-shirt, j'aurais pu choisir sans problème. Le t-shirt noir basique, simple, comme ça. Mais je vous avoue que ce qu'il y a dessus, c'est pas l'habitude. Déjà, j'ai envie d'être comme ça tout le temps. Une petite jaquette. Et c'est mignon, hein, c'est vraiment mignon, mais j'ai pas l'habitude d'avoir des petites jaquettes comme ça. Vraiment, j'ai plutôt des cropules avec. Alors, moi, j'ai des grosses jaquettes en fait, mais. J'ai un peu paniqué pour ma part, je vais pas mentir. Je sais pas quoi prendre. La seule base que j'ai vue, elle était 20 balles. J'étais en mode. Bah, du coup. En budget. C'était un peu trop, du coup, j'ai trop dépassé. Mais du coup, voilà, en vrai. Après, ça m'aurait pas. C'est vrai que ça m'aurait changé avec le pantalon aussi, parce que je mets pas de jeans. Oui, elle a mis un jeans. Donc, du coup, ça, j'ai pas l'habitude du tout. Et pourquoi pas. Pour ma part, alors la chemise, j'aime bien. Je pensais pas que j'allais aimer, du coup, je l'ai gardée. Le haut bleu, je suis vraiment pas. C'est pas quelque chose. C'est pas mon style, on va dire. Puis le petit sac, j'aime bien. Je le mettrais comme décoration parce que. Je mets pas trop les sacs. Je suis pas trop une fille à mettre les sacs comme ça. Je suis une fille avec un sac à dos. Oui, c'est vrai. Non, mais dans l'ensemble, j'aime bien. Après, bon, le pantalon, il est un peu trop grand. C'est vrai qu'avec le noir, ça aurait été beaucoup plus joli, je pense. Ouais, parce qu'à la base, c'était genre un noir avec des pattes d'œuf. Mais mon fessier n'a pas voulu rentrer. C'est... Ça fait tout. Ça fait non. Pas plus haut. Oui, puis on avait pas trop envie de vous montrer de se faire strike à cause de la nudité sur YouTube. Donc on s'est dit non, on va pas le laisser. Et par contre, niveau timing, c'était. Moi, ça a été. Genre, j'ai pas trop stressé, mais je crois Alicia avoir la peine. J'ai paniqué, je savais plus. Parce que j'avais pas beaucoup de choix. Pas beaucoup de. Ouais, de non, c'est vrai. Du coup, j'étais en mode. Bah, que prendre? J'ai tant de ça. Après, je voulais prendre ça. Après, je voulais prendre un pull. J'étais complètement paniquée. Mais bon. La prochaine fois, on fera plus longtemps. On sera dans une plus grande friperie. Yes. Et la prochaine fois, on achète sans que la personne voie. Ouais, on essaie de faire ça. Comme et ça, aussi. Ça sera... On mettra des thèmes du style fais une tenue pour une soirée ou fais une on fera des tirages de billets puis on ira à Bulle ou bien à Fribourg. Il y a les zigzags où c'est vraiment grand, c'est vrai. On devrait s'appeler tirage de billets. J'ai l'impression que dans les 3 quarts de vidéo on tire de billets. Bon, bah écoutez, c'est moi de faire l'outro. C'est toi. C'est moi de faire l'outro. Du coup, sur ça, je vous remercie de regarder cette petite vidéo. N'oubliez pas de lâcher un petit like, ça nous fait beaucoup plaisir, de mettre un petit commentaire pour le référencement et aussi parce que ça nous intéresse de savoir ce que vous avez pensé de nos tenues. Mettez des notes, hein, on est bien savoir quelle tenue vous avez préférée.
On va faire des petites photos pour Instagram, donc pensez à passer sur notre Instagram qui s'appelle quelque part par là, à vous abonner parce que c'est vraiment important et ça me fait très plaisir. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Yeah.